Salut, je suis Samy de FaouziAcademy.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre message d'erreur. Le fichier ou répertoire est corrompu et illisible. Ce comportement peut se produire si le fichier, l'indice dossier ou un fichier système, table de fichiers maître, MFT, ou table d'allocation de fichiers FAT est endommagé. Nous pouvons réparer l'indice endommagé du système fichier, un dossier ou un fichier, en utilisant CHKDSK. Pour ce faire, suivez ces étapes, cliquez sur le bouton « Démarrer », écrire CMD dans la boîte de recherche, ensuite, dans le résultat de recherche, un clic droit sur CMD. Et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Dans la zone Ouvrir, tapez CHKDSK, FD, ou DL, la lettre du lecteur sur lequel l'indice fichier, un dossier ou un système de fichiers endommagé existe. Appuyez sur Entrée. Si le disque dur est grand, CHKDSK peut prendre plusieurs minutes, plusieurs heures. Pour terminer, lorsque CHKDSK détecte les problèmes avec le système de fichiers et tentative pour réparer les dégâts, la perte de données peut se produire. Il ne recommande pas l'exécution de CHKDSK avec le F commutateur de ligne de commande, sauf vous avez une sauvegarde complète de votre disque dur. Si CHKDSK ne peut pas fonctionner, car le volume est en cours d'utilisation, appuyez sur I à la question « Voulez-vous forcer le démontage de ce volume ?» Espérons que cette information est utile. Merci pour l'observation, Faouzi Academy. Aimez s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez cette vidéo et visitez notre site web, faouziacademy.com.